Géraldine Lemeur nous a fait l'amitié de venir ce soir pour nous raconter son parcours qui, j'ai eu le droit à une petite preview, c'est un des avantages de l'amitié, est assez exceptionnel et intéressant. Personnellement, j'ai une femme parle. On va commencer très traditionnellement, il n'y a pas d'annonce particulière. On se reverra début juillet, on est fermé en août. Les Français. On ferme toutes les usines, les chantiers. Alors, tu es né où ? Perpignan. Perpignan. Grand Sud. Grand Sud ? Quel coin Perpignan ? Quel coin Perpignan ? Sud. Non, je ne sais pas quel coin, mais c'est un tout petit Perpignan. Tu ne te souviens pas ? D'accord, bien sûr. Saint-Pierre. Tu es resté longtemps à Perpignan ? Je suis resté jusqu'à mes 18 ans, oui. Le bac ? Le bac. Quel bac ? Bac C. Pourquoi ? Parce que tu pouvais. Et donc, à la fin de ton bac C, tu as décidé de faire quoi ? À la fin de mon bac C, j'ai décidé de faire une prépa. Une prépa, tout de suite, c'était Paris. Ouais. Voilà. Il y avait Marseille. Je suis pas sûre. Tu prépa quoi ? Prépa commerciale, prépa de commerce. Pourquoi pas une autre chose ? Ah bah alors, non, là, bac C n'est pas maths, je sais pas. Il y a un animal quand même en prépa, je sais. Oui, enfin. Juste ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Donc prépa, quel lycée la prépa ? Pas lycée, j'étais à intégrale, prépa privée en Paris. D'accord. Et donc, après, un an, deux ans ? Deux ans de prépa, et après une école qui s'appelle maintenant Skema, qui à l'époque s'appelait Céramique, Sophie, tu peux. Tu as gardé un bon souvenir de la prépa ? Excellent. Excellent parce que c'est un endroit où. Je me suis fait mes meilleurs amis et j'ai des gens, enfin mes amis les plus proches sont des gens du coup en prépa. Donc oui. J'ai arrêté de faire des cauchemars à 4-5 ans. Non, moi c'était une période. Non, c'est une période où je suis. Beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail, mais c'est une période aussi où voilà, on est autonome, j'avais 18 ans, avec commencé à Paris avec la personne. Après mon mari va s'installer. Donc, C'était quoi ta matière favorite ? Ah, c'est une bonne question. En prépa ou en général ? Aucune. Mais t'as adoré ? Non, mais tu me parles de la prépa en général, après les souvenirs. Oui, est-ce que j'ai un bon souvenir ? Oui, parce qu'il y a des moments, durs. J'ai pas une bonne forme de souvenir des concours, par exemple. Et c'est à moi, voilà. Mais la prépa en soi, j'adorais les profs que j'avais. Voilà, donc, monsieur Novon. J'ai la prépa, j'ai le prof, l'histoire j'ai le mot éco, c'était absolument fantastique. Ah, m'a beaucoup apporté. C'est vrai, j'adore le mot. C'est vrai. J'aurais dû faire une prépa éco. Le avocat des patrons. Ouais. Et du travail derrière. Je faisais un métaphore, ça m'aurait pas éco. C'est très bien. Donc, une école de commerce. Ouais. 3 ans. Tout en France ? Oui. Et après l'école de commerce ? Et après l'école de commerce, moi dans une boîte, et ma première boîte. Il s'est passé des trucs pendant ton école de commerce ? Ah bah il s'est passé plein de trucs, oui, parce que je me suis mariée à 20 ans, et puis j'ai eu mon premier.
premier fils, en troisième année. Tous les diplômes, il a 21 ans. D'accord, pas mal. Bien. Contente ? Ah, parce que. Oui. C'est du boulot quand même, gamin. C'est du boulot, mais tu sais, quand tu arrives sur le marché, je me suis dit, bah voilà, je suis mariée, je me suis dit, on va plus vite me dire, et le petit, c'est pour moi. Donc, comme ça, vous ne me posez pas la question. J'avais le mari, j'avais le bébé. Mmh. Paquet, j'étais prêt. Je ne posais pas la question. Donc, tu as commencé où ? J'ai fait presque une année chez Estée Lauder parce qu'il y avait avec les histoires de stage, tout ça. J'étais censée m'embaucher, puis finalement, au dernier moment, m'a dit bah non, finalement, ça va pas le faire. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai commencé chez McCann Erickson. Mon premier emploi, c'était chez McCann Erickson, dans le service internet. Commencé à l'époque. Ah non, c'est pas une. Non, 95. C'était 3 ans après l'invention du web. Bon, ben c'était le début, hein, il n'y avait pas grand chose à savoir sur Internet, ouais, sur le web, il y avait Yahoo. Ouais. Et puis après, il y avait les premiers sites Internet, mais c'était quand même très 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 d'adoption. Donc ouais. Les agences de pub commençaient à se poser la question de comment on fait et comment on raille un document sur ces sujets. C'était bien de leur part, parce qu'il n'y avait pas tout de se poser la question. D'accord. Ah. C'est assez. Donc 6 mois, ça t'a donné le goût du web? Ça m'a donné le goût du web, mais pas le goût des boîtes, enfin, à part la mienne. Tu as vu les perspectives du web dès le début ? Écoute, ce qu'on a vu surtout, et là je conjugue, parce qu'on a monté toutes nos boîtes ensemble avec mon ex-mari, avec lui, mais ce qu'on a vu surtout, c'est que tout était à faire. Donc, il y avait ce côté très excitant de y a une mine, on peut prendre des pelles et des pioches, et puis y aller, on verra bien. Donc oui, ça va. C'était clairement un marché qui allait. Je sais pas si c'est un marché, mais c'était super excitant. Tu sors de l'école, on arrive. Enfin, je sais pas si aujourd'hui il y a encore des domaines où c'est 100% vierge comme ça. Tout était à prendre. Je me souviens les premiers ingénieurs qu'on a embauchés. Je me souviens surtout du premier graphiste qu'on a embauché qui ne savait pas comment détourer les images. Parce qu'il était. Voilà, c'était tout le début, ça ne se faisait pas. Et on a passé des heures à faire des images qui n'étaient pas trop lourdes, qui pouvaient se découvrir. Enfin, donc on apprenait, c'était bien. Ah, c'est ça. Et donc 6 mois là-dedans, et après tu fais quoi ? 6 mois, et après je dis, c'est pas possible. J'ai un petit garçon tout bébé, qui était né au mois d'août. Et là on me dit à 18h, tu prends ton après-midi à chaque fois que je me coupe pour aller chercher à la crèche. Et là, je dis à lui que ça va juste pas le faire. Il dit, mais tu sais, moi je crois que ça va pas le faire non plus. Et là, bah, on s'est dit, bah, on tout on y va. Et c'est là qu'on a créé B2L, qui était une des premières agences de création de sites internet. Alors à l'époque, c'était assez révolutionnaire, parce que toutes les boîtes, on avait besoin. Et on a eu la chance, c'est pas la grande épaule des VC, mais on a eu la chance d'avoir deux clients qui nous ont fait confiance. Un qui était Peugeot, avec qui on a fait Cyber Occasion. Premier site de vente de voitures d'occasion en ligne. Je me souviens encore d'avoir installé des modèles chez les concessionnaires, c'était super, très excitant. Et l'autre, c'était Elida Fabergé. Elida Fabergé, vous pouvez tout faire, enfin, c'est très amusant sur les dentifrices, les premiers sites web avec le coloriage pour les gamins, c'était une cliquer, puis ça donnait une couleur, donc ça ne bougeait pas. Hein. Mm-hmm. Voilà, donc, grâce aux clients qui nous ont fait confiance, on a pu commencer. Ça a été un peu oublié, ça peut être. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce que ça me parle beaucoup, ça me rappelle beaucoup de choses. Je suis parti en 96. J'ai complètement raté en France. On crée une start-up avec des clients. C'est le mot start-up n'existait pas. Mais déjà, il n'y avait pas d'investisseurs. Donc il fallait des clients qui fassent confiance. Absolument. Nous, enfin moi, on a commencé à l'époque, quand on s'est mariés, ma grand-mère nous avait donné l'équivalent de 50 francs, 1 000 euros. Et c'est celui-là, on l'a mis dans la boîte. J'ai créé Lorient avec 50 000 francs. J'étais allé voir le Crédit Lyonnais en leur disant j'ai besoin d'un prêt pour créer une entreprise. Ça va pas, non ? Je suis revenu 2 semaines après. Je voudrais acheter des vêtements, des meubles, et tout. Je veux 50 000 francs. Pas de problème. Merci. Donc le mot start-up n'existait pas, mais d'ici, encore moins. Donc en fait, il fallait avoir un tout petit peu de mise de départ et puis surtout trouver des clients. Il y avait quelques investisseurs, Eric. Vous savez, toi, t'en as trouvé depuis les années 90. Oui, les gens voyagent avec moi. Et Dassault, ils étaient en France. Non, mais Dassault, c'était après. Dassault, c'était pour les. Ah, d'accord. Et Dassault, oui, ils ont été investisseurs. Ils n'étaient pas ici, mais ils sont investisseurs depuis les années
Enfin, en tout cas, nous, on ne savait pas les déjà. Voilà, c'est pas développé. Le problème en France, la sauce, je les ai rencontrés ici, je ne les ai pas rencontrés. Ah, d'accord. Ouais. Le problème en France, c'est toujours très important. Enfin, c'est la moment-là, c'est ici, c'est que ici, nous prenons ton téléphone et nous mettons la même en France. Je sais pas où, mais nous on n'avait pas cherché, on n'avait même pas cherché à donner de l'argent. Ah nous, on n'a même pas, on s'est même pas posé la question. Je savais même pas si ça existait. Non, ça on n'a pas perdu le temps. On a toujours 80% de la boîte. Ça va. Écoute, d'accord, donc 6 mois dans une société. Et ensuite, création de cette première agence, création de site web. Donc vous offriez la création artistique, la création du contenu, le conseil de ce qu'il faut mettre dedans, les serveurs. Même ce qu'on pouvait pas vendre, on faisait. Oui, et les serveurs aussi. Et les serveurs, ça nous a amené à la création de la deuxième boîte, parce que pour le coup, on avait commencé à bosser avec des boîtes américaines. Mm-hmm. Et donc, on bossait avec une boîte qui s'appelait Alpha Technologies à l'époque. En France, c'était super compliqué parce qu'il fallait héberger les sites sur des gros serveurs chez OVA, il fallait acheter des trucs qui étaient juste très chers. Et on a ma deuxième boîte, en fait, j'ai importé la notion d'hébergement mutualisé en France. Ça, c'était smart. Avec ce partenaire américain. Et ça s'appelait RapidSite. Et du coup, je suis passée, j'ai fait un gros bond de trucs très glamour qui étaient plutôt Estée Lauder à je deviens le patron d'une boîte d'hébergement site internet. Et là, pour le coup, c'était beaucoup moins bien bon, mais c'était très bien. Parce que maintenant ça paraît évident de dire on va partager un serveur sur plusieurs sites, on va faire beaucoup de trucs. Moi j'étais du côté, les fondateurs de l'ERP sont des amis proches, des amis aussi. Et eux c'était vraiment, on loue une machine. Ah, oui, nous un point d'entrée, c'est du lourd, c'est du gros, vous devez être une grosse entreprise pour travailler avec nous. L'idée de faire du hosting comme ça, de pouvoir agréger et de pouvoir attaquer le mid-market, c'était venu comment? En fait, si tu veux, c'est venu assez naturellement parce que comme on avait monté une agence de création de sites, très vite, à l'époque, il y a plein d'autres agences qui se sont montées et tout le monde avait la même problématique. Et c'était très cher, personne n'avait les moyens de payer les sites web, ça commençait à devenir. Alors oui, il y avait les grosses boîtes qui avaient les moyens de payer les serveurs, mais en même temps, c'était surdimensionné parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin de ça. D'avoir des grands machins. Donc, du coup, c'était les agences qui voulaient acheter les serveurs qui faisaient leur partition elles-mêmes. Bref, c'était très compliqué. Donc, on s'est. En fait, comme on venait déjà aux US et qu'on avait déjà ce contact avec. Pour le coup, c'était pas des gens qui étaient dans la vallée, c'était des gens qui étaient en Floride. Et c'est depuis maintenant, c'est devenu Verio. Donc, ça existe toujours. Et on s'est dit, en fait, on peut l'apporter, on peut en faire un vrai business et le vendre en marque blanche. Et quand j'ai fait RapidSite, en fait, c'est ce qu'on a fait. Et on vendait à l'époque, c'était en francs encore, je crois que c'était 200 francs par mois, et on avait des revendeurs. Donc on a monté, j'ai monté tout un réseau de revendeurs d'hébergement, et les revendeurs en fait c'était des agences web. D'accord. Et ça a bien marché, puisque j'ai eu 2 ans, j'ai vendu en français. Ah ouais, plus exactement à Nicolas Bourg. D'accord. À l'époque, France Télécom cherchait à se consolider dans le web. Oui. Ils sont en train de s'apercevoir qu'ils étaient à la bourre. Ils ont racheté le lien. Et puis oui, et puis bon, il y a des fois ils avaient l'hébergement, enfin ils lançaient sur OneAdWoo, il y avait des OneAdWoo d'hébergement, je ne sais plus comment ça s'appelle. Quelle année ça? 99. Rapid d'achat. Rapid Site, c'était 97-99. Rapid 2 ans, pour sortir et bien. Oui, mais boîte qui marchait bien, boîte profitable, voilà, avec des clients, avec un réseau d'agences dont je pense qu'on avait. Bah oui, bête, quoi, enfin, tout simple, un vrai business. Profitable. Tu peux expliquer le concept. Qui permet de payer ses salariés à la fin du mois et d'avoir encore un petit peu sous la pédale pour continuer à réinvestir. D'accord, ok. Intéressant. T'as entendu parler de ça de merde? Je crois qu'on va entendre encore plus en plus parler de ça dans la vallée. Et donc 2 ans comme ça, et t'es pas resté à France Télécom? Non, il n'y avait pas ça de sa famille. Ça a été. C'était un business qui n'avait pas besoin de. Qui n'était pas incarné en termes de personnes. C'était un business. Je n'ai pas eu peur. Une année d'économiser. Et après donc? Et après une période où on a fait. On a revendu aussi B2L à Omnicom des vidéos. Donc c'était à l'époque Christophe Lambert a décidé il y a 9 ans, vous avez racheté B2L.
Et on a, donc là, on s'est dit, bah, ça marche, les boîtes, c'est les startups. Et on a fait ce qu'on appelle maintenant un startup studio. À l'époque, je ne sais pas, ça s'appelait quoi, une pépinière d'entreprise, un incubateur. Et là, on a mis beaucoup de sous, on a perdu beaucoup de sous, on a levé beaucoup de sous. On a, quelles années 99, enfin 2002 ans, un an et demi. Ah oui, alors je me souviens de ces années-là. Avec Europath Web, ouais. Avec. Les années folles de Boo.com, Je me rappelle un peu, 2000-2001, ça. Je me souviens. Les grandes soirées, vous pouvez arriver sur un échange, sur un éléphant. Mais j'ai clos un tour de financement le 12 septembre 2001. Ça fait des souvenirs, ça laisse des cicatrices. Hein. Bon, c'est pas des cicatrices, moi, c'est là aussi, c'est encore, c'est plein de souvenirs et des. Voilà, c'est des expériences. C'était compris la notion de start-up en France à l'époque ? Ah oui, bah, en fait, c'était compris. C'est-à-dire que tout le monde, c'était un peu la, pour le coup, les mines étaient ouvertes et c'était la même erreur. Donc, oui, c'est compris. Ouais, mais uniquement en tant que faiseur de cash, pas en tant que j'ai une passion et je fais mon produit. Je sais pas. Mais bon, y a, c'est vraiment le gros. Enfin, voilà, quand le gros bateau est monté et c'était un fonds qui avait monté. Je ne connaîtrais pas, mais c'était un fonds qu'avait monté Bernard Arnault. Et c'est vrai qu'il était, il avait décidé qu'il changeait le monde, enfin, qu'il changeait vraiment la donne, et ça a explosé après en plein vol. Mais bon, il y avait une vraie énergie, je crois. Enfin, je ne crois pas qu'on l'ait revu en France depuis, ce type d'énergie. Et donc après ça ? Et après ça, bah, après ça c'est après le, la partie. Site internet, c'est les blogs qui sont arrivés. Mmh. Et là, on a donc extrait entre guillemets de l'incubateur Studio Startup. Il y a un truc qui était pas mal, c'était une plateforme qui faisait des sites internet de manière automatique. Et en gros, c'était des blogs. Donc on a monté cette plateforme très vite. On s'est associé, revendu avec une boîte qui était ici. Mmh. Ça s'appelait Six Apart à l'époque. Ça s'appelle C-Media maintenant. Et on a j'ai fait toute la partie CEO, enfin CMO, CEO, pour aussi que ce parti est lié sur la plateforme des blogs. Donc en travaillant avec la boîte en France et en travaillant avec des partenaires américains. Oui, absolument. Des deux côtés. On avait vendu notre boîte, on nous avait absorbé, donc c'était devenu Six Apart Europe. D'accord. Ça s'est bien passé ? Très bien. Pas de problème de culture, pas de. Non, pas avec eux, non, pas avec eux, parce que c'était. À l'époque, c'était aussi un couple de. C'était un couple de, d'entrepreneurs qui avaient monté ça. Six Apart commençait juste. C'est eux qui ont eu plus un problème dans le sens où ils avaient monté une plateforme qui s'appelait Movable Type. Et Movable Type, il y a eu un choix qui a été fait à un moment donné. Donc Movable Type, ça permettait de créer des blogs, des sites. Et c'était tout en open source. Et à un moment donné, ils ont fait le choix de passer plus en open source, mais en payant. Et du coup, ça a vraiment donné une tournure différente à la boîte. C'est vrai que la culture n'était pas tout à fait la même. Donc je pense que c'est assez amusant parce que c'est au niveau de la culture américaine qu'ils ont plus eu de soucis. Que nous, l'intégration, bon, il y avait une belle plateforme, il y avait les blogs qui prenaient. Et c'est là qu'on a commencé, qu'on a créé le web. D'accord. Donc, création du web. Création du web en 2004. Qui s'appelait à l'époque. Qui s'appelait les blogs. Non, d'abord ça s'appelait les coulisses des blogs. Je faisais à peu près ça en fait. Je prenais des salles au Sofitel le soir et on faisait blog et presse, blog et politique, blog et. C'était le début des blogs. Ah, c'était tout le début. Il y avait tout pas beaucoup de gens qui le faisaient. Il y avait quelques bibliographes qui le faisaient en France, quelques dessinatrices. Mais c'était quand même assez. Bah, ici, donc si c'est pas, c'était Ben et Ménatrot qui avaient fait ça. Et puis on commençait juste. C'était une petite salle de 100 personnes, et puis d'un coup on a dit bon, peut-être qu'on peut le faire dans une salle concurrente, et j'ai réussi à faire un truc le Sénat. Mm-hmm. Et là on a fait les blogs avec 250 personnes, et tout en anglais. Et là, quand on est arrivé, la dame a dit son cours en cabine de traduction, je dis bah il n'y en a pas. Elle dit mais c'est pas possible, vous êtes au Sénat là, madame. Et puis oui, mais ça va être en anglais. Et ça s'est passé comment en anglais? Ah bah ça s'est bien passé parce que l'audience était. Tout l'audience parlait de tout le monde. De toute façon, les speakers étaient pour la plupart d'entre eux anglophones. Et pas que des Français, enfin, pas que des Français, pas que des. Il y avait des Allemands, il y avait des Américains. D'accord. Et donc ensuite ça a commencé à décoller et bah, ça a commencé à basculer vers le web. Ça a commencé à décoller et en fait on ne s'était pas levé un matin en disant on va faire un business conférence, mais on avait juste envie de dire bon, on va faire qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, parce que systématiquement il fallait venir ici. D'ailleurs, je crois qu'un des premiers voyages que j'ai fait. C'était avec Jean-Michel Billot, ici même, au
Sofitel où il y avait des conférences, où il allait toute la France, ça devait peut-être en 95-96. Et donc on s'est dit, zut, il faut, enfin, on va faire des choses en France pour les entrepreneurs, on va faire une plateforme. Donc on a commencé avec les blogs, ça a grandi, on s'est dit, bon, on va faire venir la vallée, comme on avait déjà des connexions, on s'est dit, on va faire venir la vallée en Europe. Et à l'époque, les premiers blogs, les premiers le web, il y avait Joey Tau qui était là, il y avait Rivesman qui était là, enfin voilà, c'était aussi les bannes Simon un peu ici. Hein. Et puis voilà, au fil en aiguille, quand on a bougé aux US en 2007, Loïc a fait Sismic et moi j'ai continué le web à Paris à temps plein. Mais comment vous avez fait au début pour faire venir les intervenants américains à Paris? C'est des clients. C'est des gens qu'on connaissait, avec qui on avait sympathisé. Donc c'est qu'une question, c'était une question de réseau, de voilà, puis Paris est sympa quand même. Venez à Perpignan. Mais bon voilà, donc Paris, on a un certain nombre d'arguments. C'est pas trop dur. Ok. Ils avaient envie. Tu sais, quand tu donnes à des Américains des raisons business de venir. Non, c'est vrai. J'en reviens, on a fait. Ça le fait. J'en reviens avec tout. Et donc, le web a continué après que vous ayez déménagé aux États-Unis. Pourquoi déménager aux États-Unis? En fait, c'est un projet qu'on avait toujours eu et chaque fois qu'on vendait une boîte, on disait allez, on y va. Et avec trois garçons, parce qu'entre temps, il y avait un troisième. Donc, il y a eu un en 1995, un en 1997 et un petit troisième en 2001. Et je bossais, j'étais bien organisée. Donc, à chaque fois, j'avais pas envie de devenir une manne à temps plein aux US. Et j'avais vraiment peur de ça. Et quand Arthur a eu fait sa sixième, donc mon fils aîné a eu fait sa sixième à Paris, là, je me suis dit si on bouge pas, on va jamais bouger. On fera jamais. Et je savais très bien que je pouvais être que l'élément déclencheur du truc parce que si je le décidais pas, ça pouvait pas se faire. Et là, j'ai dit, un jour, Loïc est arrivé, je me dis, j'ai mis l'appart en vente, il m'a dit, mais vraiment. Et j'ai dit, oui, vraiment, parce que si on bouge pas maintenant, Arthur a fait ses sixièmes, et là, on fera jamais. Et donc, bref. Et vous êtes posé à San Francisco? Et on s'est posé à San Francisco dans l'année. Les enfants sont allés au lycée français? Oui, j'ai encore un de 15 ans qui est au lycée français. Retour en France fréquent? Ah pour moi oui, parce que j'avais le web, donc j'ai le meilleur des deux mondes, je ne peux pas me plaindre. Ou le pire, faut voir. Non, le meilleur des deux mondes. San Francisco j'aime bien, mais point trop non faux. Je ne fais pas partie des super. C'est quoi le problème? Ah bah il n'y a pas de problème, mais bon, c'est une ville qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on déteste ou qu'on adore. Mais moi je ne fais pas partie des super grands fans de San Francisco. San Francisco est très bien et fantastique quand on est au cœur du réacteur et j'adore l'énergie business et les gens qu'on peut y rencontrer, il y a plein de positifs. Mais en même temps, le pendant de ça, c'est que c'est une ville qui est pareil, elle est extravagante dans tout le reste aussi. Et cette extravagance du business est fantastique dans l'internet, mais pour le reste, de temps en temps, c'est un peu overwhelming. Donc ça fait du bien de revenir à Paris un peu, et puis de revenir à San Francisco après, puis Paris aussi, c'est parfois ça un peu trop. Donc c'est pour ça que je suis le meilleur des deux mondes, ça va très bien comme ça. Ça va bien. Et le web, ça continue jusqu'à quand, comme ça? Le web, ça a continué jusqu'à décembre 2014. Quand même. Ça va, 10 ans. Combien de personnes? Combien de visiteurs? Au dernier compteur, on devait être à 3500, quelque chose comme ça. Qui n'y est pas allé? Ça va aller plus vite. Je sais pas, je crois qu'on a eu beaucoup de... Tout le monde. Ça a eu une influence, d'après toi, sur le changement d'image de l'entrepreneuriat en France? Écoute, c'est ce que les gens me disent maintenant qu'on ne le fait plus. On dit que vous avez vraiment changé des choses dans l'écosystème, vous avez vraiment apporté des choses. Moi j'en suis ravie parce que c'était la mission. Comme je dis, on ne s'est pas levé un matin en disant mais super, on va faire un business de conférence parce qu'un business de conférence c'est franchement un business compliqué. C'est pas une vache à lait, beaucoup de gens pensent que c'est une vache à lait, mais ça ne l'est pas. Parce que dès qu'on est dans le détail, la production, etc., c'est un bras. Et puis on est tout le temps en train de se remettre en question parce que tous les ans, je reprenais mon bateau de pèlerin pour aller voir mes sponsors, tous les ans, on se dit bon, est-ce que je vais avoir des participants? Donc il n'y a rien de gagné, il faut toujours se réinventer. Et jusqu'au moment où on s'est dit là, on a créé un nouveau truc et on a plutôt décidé de mettre en suivant. C'est quoi le business model d'un système de conférence comme le web? Ah bah c'est facile, c'est les tickets et les sponsors. Les tickets ça équilibre et les sponsors ça fait la marge? Ça dépend des années. Quand ça équilibre, c'est bien déjà. Il faut du temps avant que ça équilibre. C'est pas au 5, 6, 7, 5, 6 ans pour que ça soit vraiment. Ça devienne un business. T'aurais envie d'en faire un autre? Conférence? Ouais. Non, j'ai fait tout le sujet. C'est quoi la prochaine chose maintenant?
Donc c'est The Refiners. J'ai fait un peu la base de ce que je faisais avec le web, parce que le web, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'avais 10 métiers en une année. À la fois parler avec des sponsors, donc aller chercher des clients, et être près des startups, être près des grands groupes. Et finalement, j'avais une petite frustration, c'est que j'ai jamais voulu vendre du mètre carré, j'ai toujours voulu vendre une expérience. Et quand on vend une expérience, ben, on travaille avec les gens. Et le fait de travailler avec les startups et les grands groupes et d'essayer de les mettre en contact, et faire qu'ils se parlent. Bon, aujourd'hui, ça paraît un peu la bouteille à l'encre parce que voilà, ils le font. Mais quand j'ai Renault qui est arrivé en 2009 en partenaire officiel et qui était presque en salon de l'auto, j'ai dit non, mais en fait, voilà, ça va pas faire un salon d'auto, on va pas montrer les voitures, enfin, on va montrer les voitures, mais peut-être différemment. Et puis qu'ils ont commencé à comprendre comment il fallait parler aux startups et ça, c'était super intéressant. Et du coup, pareil avec les startups, donc du coup avec The Refiners, en fait, on fait un accélérateur de ConfoCop, on fait un accélérateur pour aider les startups qui veulent venir s'implanter ici et les accompagner. C'est un peu un accompagnement, pas sur 3 jours, mais sur... Qu'est-ce que tu penses de la scène startup en ce moment? Elle est vibrant. On est entre nous, hein. Elle est vibrant. Non, je pense que c'est très sincèrement, je pense que la BPI fait un travail de dingue et qu'ils ont vraiment, ils sont vraiment un game changer dans ce qui se passe. Qu'il y a aujourd'hui dans les équipes dirigeantes de la BPI des gens qui ont compris, puis d'abord des gens qui sont les vieux d'Internet, donc qui ont le bon mindset. Maintenant, quand on sait qu'il y a 1800 startups qui se créent par an en France, je ne sais pas ce que ça va donner dans 5 ans. Donc l'engouement, c'est bien. Je trouve fantastique de voir que maintenant les jeunes qui sortent soit des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, des universités se disent rencontrer dans leur liste des choses qu'ils veulent faire, c'est créer ma boîte, créer mon propre business. Donc ça c'est super. Maintenant il faut être un peu prudent parce que je ne suis pas persuadée que l'Hexagone soit capable d'absorber tout ça. Donc c'est le tout entrepreneuriat, est-ce que c'est bien? Oui, mais avec une certaine. Il faut quand même raison. Il y a un article qui est sorti sur TechCrunch avant-hier qui massacrait un peu la scène tech française, enfin, pas les participants de la scène tech, mais qui disait le problème en France c'est que les startups sont créées pour être absorbées par les gros groupes et il n'y a pas d'autres sorties prévues et les gros groupes français ne payent pas. Bah, c'est pour ça qu'on fait The Refiners, c'est-à-dire que le problème en France c'est que c'est difficile quand on n'est basé que en France de penser global. Et donc l'idée, c'est de se dire, ben, je peux être basé en France et penser global en venant aussi mettre un pied aux US, si ça fait du sens pour le business. Et en même temps, je pense que toutes les boîtes n'ont pas vocation à devenir gigantissimes. Il peut y avoir des sociétés qui font un super business en Europe et qui restent en Europe et qui ne sont pas forcément rachetés non plus. Enfin, le one size fits all, je n'y crois pas non plus. C'est quoi ton objectif avec The Refiners? Si dans 5 ans, on en reparle et tu me dis que ça a été une super expérience, une super aventure, ça aurait été super, pourquoi? Ça aurait été super parce que si on a réussi à aider des entrepreneurs et que les boîtes existent encore dans 5 ans, enfin existent dans le sens pas des Walking Dead, c'est des boîtes qui voilà, ont une vraie existence. Après, évidemment, voilà, on va pas se voler la face, c'est un numbers game, on veut accélérer 70 à 90 startups en 3 ans. On a eu un fonds de 6 millions, donc l'idée c'est aussi de là-dedans d'en trouver une, deux qui soient vraiment des pépites exceptionnelles. Donc oui, mais je crois que c'est vraiment c'est la volonté de redonner à l'écosystème aussi. Il y a un côté, on n'est pas à non-profit, hein, je ne suis pas en train de dire on est non-profit et c'est joli, etc. On a un fonds, on a des investisseurs, on a envie que ce fonds fonctionne et que nos investissements fassent des choses, enfin, voilà, fassent ce qu'ils doivent faire. Mais en même temps, c'est ce côté accompagnement qui nous anime. Vraiment, voilà, les entrepreneurs qui auront réussi après la réussite, pas forcément monétaire, qui se seront épanouis, en fait. Les boîtes qui se seront épanouies. Je pense qu'on arrivera à avoir en France un écosystème similaire à ce que vous avez fait. Je sais pas pourquoi il faut appliquer les modèles aux uns et aux autres. Donc, je sais pas ce que ça veut dire un écosystème similaire à la Silicon. Ça se ressemblera jamais. La culture est complètement différente. C'est un point qu'on aborde beaucoup avec The Refiners, c'est le cultural gap. C'est qu'aujourd'hui, faire du business en France ou en Europe, ça n'a rien à voir avec faire du business ici. Donc voilà, est-ce que la France peut avoir un écosystème viable et intéressant? Oui, probablement. Est-ce que ça doit ressembler ou est-ce que ça ressemblera à la vallée? Non, c'est rien. Il n'y a pas deux écosystèmes comme la Silicon Valley aux États-Unis. Oui, voilà. Et puis,
chaque zone peut avoir ses. Enfin, il y a des forces qui sont ici et qui ne sont pas reproductibles. Merci. Je vais te lâcher au fond, il y a des questions, je présume. Ah ben, oui. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative du gouvernement français, cette espèce de halle géante à Bercy pour 1 million de start-up On parle big, de quoi là de... Big start-up, big Bercy. Big, c'était une conférence. C'est une conférence. Non. Si. J'y étais la semaine dernière. C'était une conférence. Il n'y a quand même pas un lieu qui est dédié. Il y a deux choses. Il y a la conférence et puis il y a Xavier Niel qui ouvre la Alpha Ciné. Qui est le bureau. C'est pas le gouvernement. Mais c'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Mais là, c'est Xavier avec ses sous. Il n'y a pas la caisse des dépôts. C'est pas le gouvernement. Il n'y a pas une start-up avec la caisse des dépôts derrière. Il y a la BPI qui est avec une grande partie de financement par la caisse des dépôts. Et la BPI, enfin, je suis d'accord avec toi, c'est eux qui ont les débits. C'est intéressant. Yes. Pas de question. On voit plein de femmes. Bah alors. Non, mais c'est vrai. Un petit pitch sur les refiners, carrément. Un petit pitch sur les refiners, bah, j'ai dit pas mal, non je... Donc, on a levé un fonds de 6 millions avec des LPs qui nous ont fait confiance. On a 50 partenaires, enfin 50 LPs dans le fonds, dont la BPI, dont Partech, dont Idéadès dans le fonds. Et puis une centaine de mentors, parmi enfin, certains sont ici ce soir, donc, à la fois des Français et des Américains. Alors le gros avantage, c'est qu'avec mes associés, donc Pierre Mobile et Carlos Diaz, on s'est rencontrés avec des parcours un peu différents et puis aussi des réseaux un peu différents. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la vallée et je connaissais très peu de Français ici. Voilà, c'est comme ça. Par contre, j'avais développé un fort réseau américain avec le web. Même avant d'être ici. Et puis, donc moi j'ai onboardé mes copains américains. Pierre et Carlos avaient plus développé un réseau européen et français ici. Donc ils ont onboardé leurs amis français et européens. Et donc du coup, on se retrouve avec un panel qui est un petit peu atypique et qui nous donne un ADN différent, qui est la prise en compte justement de cette différence par rapport aux autres accélérateurs. Que sont YC ou 500, qui disent bon ben voilà, tu arrives, tu es dans la vallée et tu joues avec les jeux, enfin avec les règles de la vallée tout de suite. Donc on va accélérer 90 startups sur 3 ans. On investit $50 000 dans les startups avec un investissement, avec une prise de capital de 3 à 7%. Et clairement, elles ne viendront pas pour les $50 000 parce que c'est pas une levée de fonds. Mais pour le programme, un programme de 3 mois à San Francisco, et l'idée c'est vraiment de les aider à déplacer leur centre de gravité à San Francisco sans pour autant renier tout ce qu'elles ont déjà fait. Donc en capitalisant sur les assets qui peuvent être en Europe, les équipes techniques ou les équipes qui sont déjà, et en prenant aux US ce qui est bon à prendre aux US. Donc pas forcément tout réinventer. Et l'idée c'est d'aller global. Alors encore une fois, dans le digital, évidemment c'est pas valable pour tout le monde, c'est pas valable pour certains types de sociétés qui n'ont pas cette vocation-là. Et plutôt en cible, évidemment, par rapport le programme de 3 mois avec les mentors. On n'est pas une école. L'idée, c'est simplement de les accompagner. L'image que j'aime bien prendre, c'est de dire bon, voilà, on met l'entrepreneur, il a sa fusée, on le met sur le rampe de lancement. Nous, on est le crew autour. Il y a une checklist à faire. Donc, cette checklist, on est là pour les aider, comme les images qu'on voit souvent de la NASA dans les lancements, où il y a tous les types derrière et qui vont appuyer sur les boutons. Les VC mettent le fuel, mettent le carburant dans les réservoirs. Donc, c'est pas faire, mais juste un petit peu de réserve avec les 50 000. C'est pas grand chose. Et puis après, c'est l'entrepreneur qui appuie sur Ignition. Et là, nous, notre espoir, c'est de l'aider à avoir pris la meilleure trajectoire possible. Après, il y en a qui exploseront en vol, il y en a d'autres qui mettront leur satellite en orbite. Et on est là pour les accompagner. Donc, c'est un peu comme ça qu'on les Et donc, vous les aidez aussi avec pour augmenter leur réseau. Et est-ce que vous êtes ouvert sur aller vers Shanghai et... Alors aujourd'hui, on n'a pas la prétention, on n'a pas la science infuse et on n'a pas la prétention de savoir faire ce qu'on ne sait pas faire. Oui. Donc nos réseaux, on est très implanté à San Francisco. Donc The Refiners aujourd'hui, c'est San Francisco. Après, est-ce que c'est une marque qui peut s'exporter? Oui,
Mais moi, je suis pas capable d'aller à Shanghai demain et je connais personne. Donc, avec des gens sur place, parce que ce qui est très important pour nous, c'est le partage d'expérience. C'est d'être une forme un endroit où on peut partager des expériences. Et ces expériences, on ne peut les partager qu'avec des gens qui sont ici, si on veut se développer au global. Donc le réseau, oui, nous, on leur tient la main, mais l'idée, c'est qu'ils se créent leur propre réseau et qu'au bout d'un certain temps, on a ouvert, on met le pied dans la porte. Voilà, c'est par ici, mais après, c'est des entrepreneurs, c'est pas des bons élèves. Est-ce que pour The Refine, vous avez un domaine de prédilection? C'est toute l'industrie, votre portfolio? Là où on peut avoir une valeur ajoutée, les trucs qu'on ne connaît rien, on fera là. Et donc, quels sont aujourd'hui vos... on est vraiment dans le digital, mais ça va aussi bien que ça va du hardware. Si maintenant, demain, j'ai un super projet de biotech, je serais un pas mal de le juger, deux, pas mal de les aider, on ne sait pas faire. Donc, voilà. Il faut qu'on reste dans un univers où on a une valeur ajoutée, sinon, c'est juste pas faire. Et tu parlais un peu du modèle français qui est tout de suite, Marc posait la question d'aller vers les grandes entreprises comme exit stratégie. Comment est-ce que vous transposez ça ou comment est-ce que vous pensez à la relation grande entreprise-start-up dans le monde d'ici dans lequel vous essayez de les faire venir et penser différemment? La relation avec les grandes entreprises ici dans la vallée, enfin, en tout cas aux US, elle est beaucoup plus facile parce qu'ils ont un mindset qui est déjà là. Et puis en plus, ils ont l'habitude de bosser avec des startups, il n'y a pas de blocage. En France, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'accélérateur, alors là, pour le coup, ce n'est pas un programme d'investissement, mais on met en place un programme pour les grands groupes qui veulent développer des projets en mode un peu startup, avec un partenaire en France qui s'appelle Auto Technologies, et 3 mois à Paris, 3 mois à San Francisco, en mode accélération, mais là, c'est vraiment à destination des grands groupes. Et l'idée, c'est qu'ils comprennent un peu le mode startup et qu'ils puissent arriver jusqu'à un MVP, donc un produit minimum viable, pour après retourner voir leur COMEX. Et au lieu d'aller voir des VC, dire voilà, on a ce projet, on veut avancer sur ce projet-là, et voilà, on veut lever des fonds, mais au sein d'entreprise. Donc vraiment, essayer de mettre en place ce mindset. Après, dans la relation startup au grand groupe, avec ici, c'est pas très compliqué. En Europe, il commence maintenant, en France, ça commence à venir. Il y a une vraie volonté de faire. Le problème, c'est qu'il y a ils arrivent pas mal au POC, et puis quand il s'agit d'aller à l'industrialisation, alors là, tout d'un coup, il ne se passe plus rien, parce que soit la start-up ne peut pas tenir la route de plein de choses, de l'industrialisation, ou simplement de la lourdeur administrative, de la lenteur administrative, donc combien ça coûte, soit c'est le grand groupe qui, tout d'un coup, freak out et dit « Ouh là 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 là, mais je ne les connais pas, ces jeunes, qu'est-ce que je ne peux pas leur laisser la main libre sur tel projet ?» Donc il y a une vraie éducation à faire, ça c'est clair. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a une espèce de shortcut en laissant le VC de côté, en passant directement, est-ce que j'ai bien compris ou pas? Dans ce que vous venez d'expliquer, de passer directement jusqu'à... Ça, c'est dans le cadre de la grande société. C'est-à-dire, s'il y a une grande société qui dit je veux faire un projet et qui est capable de trouver en interne des salariés, des gens qui sont dans la boîte déjà, pour faire le projet, l'idée c'est de les aider, de faire comme s'ils montaient une start-up, mais au lieu d'aller voir un VC, de retourner voir le COMEX, parce qu'il y a l'argent en général dans la boîte, d'accord. Et de dire voilà, pour ce projet-là, il nous faut 1 million, maintenant pour aller jusqu'au bout du... D'accord, merci. Merci. Charline, quelles sont pour toi les clés du développement commercial? Parce qu'une boîte que tu as mis aux États-Unis comme ça, l'enjeu c'est le développement commercial. Donc là, depuis ta salle de contrôle, comment tu penses aider les boîtes à faire ça? Bah, écoute, on va apprendre aussi, dans le sens où il faut, je pense qu'il n'y a pas de recette, et j'aime, tu vois, encore une fois, le one size ne fit pas all, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de les prendre au moment où ils ont besoin d'être pas en phase de validation où ils cherchent leurs produits, mais vraiment à ce moment où ils se lancent. Donc c'est, pour nous, c'est vraiment les aider à trouver leur premier client, bien identifier le marché, et être vraiment conscient de là où ils veulent aller sans systématiquement viser très grand, très fort, très loin tout de suite. Donc avoir une vraie conscience de business, et je pense que c'est vraiment les premiers clients qui seront clés. Et aujourd'hui, si tu veux, je pense que l'énergie, quand tu es en France, que tu vas déployer pour aller, j'ai rien contre Castorama, hein, mais
pour aller signer à Castorama, elle va être la même que tu vas déployer ici pour aller signer à Home Depot, sauf que tu auras signé Home Depot. Et qu'après, quand tu seras à l'échelle, entre guillemets, internationale, ben, finalement, avec ton bagage Home Depot, tu iras plus facilement signer ton Castorama ou ton équivalent, si tu as besoin de signer dans d'autres boîtes. Pour toi, dans cet esprit-là, est-ce que c'est vous qui ouvrez le réseau, ou est-ce que c'est vous faciliter l'embauche d'un Américain qui va être capable de porter la chose? Les deux. Ouvrir le réseau au maximum dans la mesure si on a les bons contacts, l'homme qui connaît l'homme, qui connaît la bonne personne. Et puis aussi, je pense que, et là encore une fois, c'est la partie culturelle gap, c'est comment recruter. Mais c'est pas nous. Moi, je sais pas faire, c'est s'entourer. C'est pour ça qu'on a des mentors. C'est s'entourer vraiment des expertises et des gens qui sont autour et d'aller trouver la bonne personne. Tiens, si c'est toi sur ce truc-là, de dire voilà, quelle est ton expérience, quelle est ton expertise, qu'est-ce que tu peux apporter au startup. Et c'est vraiment dans cette manière-là qu'on peut faire. Et 3 mois, c'est pas trop court. Il faut bien un temps. Donc 3 mois, c'est 3 mois, c'est pour démarrer. C'est pas une date butoir. C'est-à-dire que les 3 mois, c'est les 3 mois d'accélération. Mais on n'oublie pas non plus que la boîte, elle continue à vivre, elle développe son business. Donc c'est même dans le temps d'entrepreneur, c'est aussi beaucoup d'investissement que de faire les deux en même temps, en parallèle. Donc 3 mois, c'est le début de je bouge aussi aux US et je m'y installe. Mais on continuera à les accompagner. Et pour l'instant, donc, vous êtes vraiment branché sur bon, la France et ici. Est-ce que vous seriez ouvert pour peut-être les dom-com ou les territoires? On parle, en fait, aujourd'hui, l'ADN et le cœur est français, puis voilà. Mais on a fait le lancement à Paris, mais on parle déjà des gens dans d'autres pays, en Italie. Là, on a un challenge sur l'hiver technologie, la grosse conférence qui a lieu à la fin juin. Et il y a 50 boîtes qui ont apply en fait, et en fait il y a très très peu de Français dedans. J'ai pas mal de... Enfin, moi j'étais assez surprise sur... puis il y a des gens des pays de l'Est, on n'a pas une vocation que française. D'accord, merci. Je vais finir la question qui avait vraiment à ça. Je me posais juste la question, quand j'écoute ton parcours, et je suis venue surtout parce que mes cousines m'ont dit qu'on allait prendre un verre. Tu peux aller prendre un verre avec nous. Ma question qui est toujours du non-business quand je viens ici, est-ce que tu vois des réelles différences chez les jeunes entrepreneurs femmes aux États-Unis et en France, et pour celles d'entre nous qui ont l'opportunité en France, quel est le message qu'on peut faire passer? Parce que quand je regarde un service comme Open Table, on peut dire, tiens, on a faim, qu'est-ce qui est dispo? Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un Open Table pour les salons de coiffure, les manicures, les manicures. Oh, tu vois, ça s'appelle Style Sit. Ah bon, ben, c'est une jeune femme en plus qui fait ça. Et je me dis, il y a tellement de services ou de start-up qui n'ont pas encore été créés, conceptualisés, parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc ma question, pour faire simple, c'est... Est-ce que tu as l'opportunité de parler de côté et quelles sont les différences et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les femmes françaises à prendre cette prise de risque que tu as su prendre? Écoute, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence entre les entrepreneuses françaises et les entrepreneuses américaines. Probablement, mais elle vient de plus loin. Elle vient de la manière dont on éduque nos enfants. C'est très ancré, c'est très culturel. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Moi, je suis maman de 3 garçons. Et donc, si tu veux, j'ai pas pu prendre le flambeau de dire « mes filles, vous serez ». Mais par contre, j'ai pris le flambeau de dire à mes garçons « vous ne serez pas ». C'était plutôt... je suis pas très féministe. J'aime pas beaucoup, en fait, cette dichotomie qu'on voit beaucoup aujourd'hui de « il y a les conférences de femmes » et « pourquoi il n'y a pas les conférences de bonhommes ». Bon, il y a les conférences de femmes, alors c'est « women ceci, women cela, women autre chose ». Je pense que l'intelligence, elle est surtout de nous faire... De faire travailler ensemble et qu'on forme des équipes ensemble. Après, oui, il y a des terrains sur lesquels on doit se battre, sur l'égalité, les salaires, etc. Ça, c'est super important. Mais si je te réponds très personnellement, moi, le point que je soulève vraiment auprès des garçons, c'est si vous bossez qu'entre les mecs, ben, vous allez passer à côté de choses parce que demain, vous allez développer, comme tu disais, un produit plus spécifique pour vendre à des femmes. Et pourquoi? Il y en a plein de boîtes qui sont... tenues que par des hommes, entre guillemets, et qui ont des produits à destination de femmes, et au final, pourquoi ça, y a pas de... Donc c'est vraiment ce côté travailler tous ensemble qui, moi, me semble très important. Après, le mindset,
Il y a un vrai effort qui est fait aux US avec des rôles modèles, avec des personnes comme Jamie Chamberlain, etc. Je pense que c'est très, très culturel. Je ne suis pas persuadée qu'on ait besoin de ça en Europe parce qu'aujourd'hui, le législateur fait les choses. Aujourd'hui, tu as un quota, il faut 10% de femmes dans les COMEX. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais après tout, s'il faut passer par là, c'est pas plus mal. Donc, peut-être l'imposer comme ça. J'allais te poser une question similaire en me demandant si tu avais senti des différences entre ton parcours. Tu as des femmes dans la tech en France, j'en connais deux, j'en connais la deuxième. Et aux États-Unis, pas tant que ça. J'en ai connu quelques-unes, pas tant que ça. Est-ce que tu avais senti des différences de ton parcours? Mais avant ça, le problème pour moi, c'est pas tellement les entreprises en femmes, c'est un travail à en trouver qui fait de l'argent. C'est pas difficile. On a eu Patricia Nakache qui est venue il y a deux mois, on a eu un mec qui me dit ça, Patricia, et qui est française. Ciao. Ouais. Mais c'est très très faible, ouais. C'est hostile. C'est un milieu un peu macho, quand même. Oui, c'est non, je ne pense pas. Trinity, que je connais bien, c'est pas vrai, il y a une grande diversité. La moitié à faire un bar, l'autre moitié à faire stand-up. On est d'accord. Oui, mais non, mais pas WASP, parce qu'il y a une grande partie de gens d'origine indienne. Il y a Patricia avec la Mumba, et Trinity, on rejoint une femme ici, sans doute. Enfin, c'est pas du tout le souci. C'est pas du tout le problème. Je crois que c'est le funnel à la base. Je pense qu'il est là. Simplement, je suis assez d'accord avec lui. Il est là, le. Attends, il y en a des femmes. Qu'est-ce que tu fais dans l'académie? Il y en a qui commencent d'ailleurs. Il y en a qui commencent. Comme Hélène Lévy, par exemple, très active. Je pense que quand tu regardes le final, il y a plus d'hommes. Mais c'est là le problème. Il y a plus d'hommes que femmes. Pareil, en ingénieur. J'ai une question justement sur le sujet en fait des grandes écoles et de l'impact sur l'entrepreneuriat en France. Effectivement, on sait que c'est quand même un pays très élitiste, où effectivement il y a quand même une grande importance donnée à l'école quand on rentre dans une boîte, que ce soit lever des fonds ou donner une boîte. Avec votre approche justement franco-américaine, où finalement aux États-Unis il y a quand même une valeur importante qui est apportée à l'expérience post-école, mais il y a aussi ces grands réseaux, effectivement c'est un plan d'alarme. Comment est-ce que vous réfléchissez à, sachant qu'évidemment les gens à côté ici ça les impressionne pas beaucoup, ils connaissent pas l'école. Je passe à HEC. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les gens pour recruter, excuse-moi, j'aurais vite faire un peu. Non, mais tu sais, les gens, enfin tu vois, c'est pas. On ne s'est pas posé la question de savoir quels étaient les profils des personnes s'ils avaient fait une grande école ou pas. En plus, il n'y a pas de corrélation, s'il y a une corrélation, je pense qu'elle est inverse. On a quand même des super bons ingénieurs qui sortent des super bonnes écoles. Mais on a des super bons ingénieurs qui sortent de toutes les écoles. Maintenant, ce qui est très important, c'est plus cela qui sont un entrepreneur, parce que les super bons ingénieurs qui sortent des très grandes écoles, ils ont des voies qui sont tracées, qui font de. Écoute, ce qui va être très intéressant de voir, c'est ce que donne l'école 42 à Toulouse. Xavier aujourd'hui a mis un grand coup de pied là-dedans en disant que j'ouvre l'école 42. Ici, là, ça va être super intéressant de voir si effectivement, tout d'un coup, tu peux sortir d'un point de vue culture américaine. Oui, mais là, c'est encore d'autres choses. C'est justement une dimension culturelle qui va se passer en essayant de s'implanter ici, qui va aussi faire que les résultats qu'on aura, on va forcément sur ce sujet. Accessoirement, c'est pas la première école sur ce modèle-là. Je dis, non. Il y a déjà des écoles comme ça, il y a déjà Alberton qui est là et qui marche très bien. Non, et puis il y a pas une. Ils ont peut-être besoin de refinance. Je suis pas sûr qu'ils en ont envie de parler. Alberton, ce qui est intéressant, parce qu'on en parle justement, on parlait des femmes et du funnel. Alberton a un système de sélection qui est basé purement sur les algorithmes. Résultat, 42% de femmes. 42% de femmes. Mais 42%, c'est bon, j'ai. C'est oui, on a fait exprès. Je suis au bord de l'Alberton. Et ça, c'est intéressant parce que je dis que c'est le funnel de problème. Il y a
en SUP, il n'y a quasiment pas de femmes. En étudiant, les femmes, il faut qu'elles arrêtent. Oui, mais ça, c'est différent aussi. Je regarde maintenant des universités comme etc., des nombres de femmes qui sont en français, beaucoup plus qu'il y a des femmes. Oui, mais ça s'accélère. Mais attends, regarde, ce qui me gêne, vous mettez ça d'un point de vue... Là, le truc qui me gêne complètement, c'est pourquoi vous mettez ça d'un point de vue d'ingénieur. Une femme qui n'est pas ingénieur, elle peut être en... Bien sûr. Donc voilà, le funnel, il n'est pas... Oui, mais le funnel, du coup, il n'est pas... Alors, statistiquement, quand même, la situation des VC dont vous parlez, il y a quand même beaucoup d'anciens ingénieurs. Oui, mais principalement. Donc forcément, si dès le début, tu as déjà une population qui est biaisée, tu vas... Non, parce que la question, c'était aussi dans la tech. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'ingénieur, c'est parce qu'on... Oui, la question d'origine, c'est dans la tech, est-ce qu'on voit une différence? Aujourd'hui, quand tu prends une équipe dans la tech, il faut, je pense qu'une équipe bien équilibrée, elle a à la fois la partie tech et puis la partie non-tech. C'est important d'avoir cet équilibre-là. Et c'est pas... alors oui, ça peut être une CTO, et l'autre côté équilibré avec... mais bon, pourquoi pas deux équipes de femmes? Enfin, moi, je sais qu'il y a un an et demi, j'étais sur un projet avec une amie et je suis allée voir des VC amis que je connais bien. Et en gros, le projet n'était pas lipstick et sac à main, c'était plutôt tech. Et on nous a regardé en nous disant, même le mec. Et ça, je pense que c'est juste pas possible parce qu'évidemment qu'on n'avait pas, on avait développé un nouveau concept et on avait fait ça avec un studio, donc on n'était pas tech, mais on avait de la matière. Et il était clair qu'on allait s'équiper, entre guillemets, d'une partie d'une équipe technique et d'un CTO, donc on comptait onboarder en co-founder, mais je ne sais pas si ça allait être un homme ou une femme. Enfin, mais pour le coup, on était deux nanas avec un projet tech et on nous a regardé, vous n'êtes pas tech. Et je pense que si ça avait été deux hommes, ça aurait été la même réflexion. Donc, il y a un côté, voilà, il faut changer les mentalités, mais c'est un travail de fond. Après, c'est bien que c'est tous les mouvements, pour les femmes qui codent, les jeunes femmes qui codent, toutes ces initiatives-là, c'est super. Mais je trouve qu'il ne faut pas cloisonner, il ne faut pas dire, au lycée, en ce moment, il y a un projet, c'est les girls code et tout ça. Et je trouve que c'est super cloisonnant, pourquoi on ne met pas des garçons dans l'équipe? Voilà, moi j'en ai un qui a 15 ans, il serait super content d'être dans une équipe, il s'en fiche s'il est dans une équipe avec une nana. Bon, ça, je pense que ça le dérangera pas beaucoup. Et là, je trouve qu'il y a une forme de coopération, d'équilibre qui... Mais il y a d'autres facteurs peut-être, ça, parfois. Bien sûr. Dans les groupes, il y a des garçons et des filles ont tendance à s'effacer, machin. Je pense qu'il y a bien d'autres raisons à part de... Et c'est là où on intervient, c'est plus en amont sur l'éducation aux garçons, je suis d'accord. Oui, mais cette semaine, j'étais juge sur un truc assez intéressant. Un projet qui suscite des projets de création d'entreprise dans les élèves de high school à San José, à Oakland, East Palo Alto, etc. 5 finalistes, 4 filles. Ouais. Je ne suis pas sûre. Wow. Fantastique. Super. Et une pêche à la présentation. Qui est un peu alors, oui. Une dernière question. Est-ce que tu as eu des rôles modèles dans ta carrière en grandissant? Non, ma maman. C'est pas du tout dans la tech, non, disons, mais non, en fait, très sincèrement, non. Je me suis jamais positionnée en ce sens. J'ai juste déroulé ce que j'avais envie que ma vie soit, c'est-à-dire à la fois maman et à la fois avec un très très épanoui professionnellement. Mais la seule manière que j'ai trouvé pour le faire, avec 3 enfants et de l'autre côté, c'était d'être entrepreneur. Mais je ne me suis jamais projetée en me disant, oui, j'ai des gens que j'admire, hein, c'est différent. Mais en me disant, j'aimerais, je me projette dans cette personne-là, en fait, non. Parce que j'ai... Voilà, j'ai ce que tu trouves le plus admirable aujourd'hui? Admirable, c'est beaucoup dire, mais c'est pour qui j'ai beaucoup de respect, ça va peut-être surprendre, mais c'est Marissa Meyer. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, et je trouve qu'elle se prend, franchement, elle lui tape très 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 fort dessus, ouais. et qu'elle a beaucoup de courage, voilà, et que... She dresses well, et tant mieux, et elle a raison, je veux dire, elle a raison, elle a 3 enfants, alors oui, elle est très cher payée, mais bon, quelqu'un est venu la chercher, des messieurs sont venus la chercher. Je veux dire, elle a bien négocié son paquet. Elle a bien négocié son paquet, et alors, c'est exactement... Donc, c'est quelqu'un que je connais, et donc du coup, oui, je trouve qu'elle a quand même la cuirasse bien solide.
T'as regardé ouais. ce que fait son mari avec Founders Den, ouais. Qui a beaucoup de succès. Ouais, oui, absolument, il se fait ça, très sympa, bien sûr. Non, je suis tout à fait contre moi, ça sera un gars. Ah, mec, on n'aurait pas la même discussion. D'ailleurs, on n'a pas eu la même discussion. Les anciens CEO et autres ont fait le même aussi. Pour d'autres raisons. Ça a pris plus de temps. Ça a pris plus de temps. Voilà, c'est là-dessus qu'elle a une note, c'est que c'est un job impossible. C'est un job impossible. Oui, c'est clair. Dernière question. Moi, j'avais une question personnelle aussi qui est sur l'aspect un peu plus culturel. En quoi aujourd'hui ta culture française est un atout? En quoi tu es sûr faire un atout pour ton quotidien business? Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu as apporté? Quelles ont été les choses qui t'ont le plus apporté ici d'un point de vue mindset, culture business, qui t'ont le plus développé ou tout simplement d'être français en étant ici, je pense que c'est un énorme atout. D'être français ou française, mais le fait d'être français, il y a les gens vous regardent différemment. Il y a un côté c'est différent. Tout d'un coup, c'est français, il y a une espèce de truc Paris, tu la tête, je sais pas, culture, un petit côté sous-développé. Culture. Non, je sais pas, franchement, j'ai pas ressenti. Bon, peut-être parce que ça fait longtemps que j'étais dans la tech, donc je suis arrivée avec déjà le bon discours, je savais déjà répondre. Voilà. Donc j'ai pas ressenti ça, ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai le plus appris? C'est la culture de l'audace, enfin, c'est oser, c'est penser grand et puis pas se dire qu'on ne peut pas faire les choses. Moi, une des raisons pour lesquelles j'étais très contente que mes deux aînés soient à l'université, je les ai laissés au lycée français, mais qu'ils soient à l'université aux États-Unis, En ayant grandi ici, ils ont eu cette vision de dire c'est encore possible, on peut faire des choses. Je parle pas, et encore une fois, je ne parle pas d'argent, hein, je parle juste de l'envergure, du champ des possibles. Et quand je vois, donc j'en ai un de 21 et un de 19, les grands, et voilà, ils ont envie de bouffer le monde. Et ça, je trouve ça super. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle quand on grandit en Europe, parce que j'ai de l'entourage aussi qui a à peu près le même âge. Et tout d'un coup, on sent un peu plus de crainte. Donc oui, c'est un peu l'envergure. Même si c'est très classique, et on le sent vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.